Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. L'affirmation positive de cette journée est « Mes valeurs me guident pour prendre les meilleures décisions ». Mes valeurs me guident pour prendre les meilleures décisions. Mes valeurs me guident pour prendre les meilleures décisions. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé émotions. Mes émotions sont une guidance. Petite question, comment vous sentez-vous? Eh bien, c'est la question à vous poser plusieurs fois au cours de votre journée pour déterminer, eh bien, votre humeur générale. Quelle est votre humeur générale? Vous savez, il est important d'être vigilant avec vos pensées qui sont créatrices, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas contrôler toutes vos pensées car il y en a trop, évidemment, plus de 60 000 par jour. Alors, eh bien, vous allez utiliser vos émotions qui sont le miroir de ce que vous pensez, afin de savoir comment vous vous sentez. Vous savez, les émotions sont comme un GPS qui vous guide, un système de guidance émotionnelle. Et oui, vos émotions vous indiquent où vous vous situez dans l'échelle des émotions. L'échelle des émotions, eh bien, vous avez l'amour, la joie, la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, l'ennui, l'impatience, la déception, le doute, découragement, colère, haine, culpabilité, peur, désespoir. Oui, si vous vous sentez souvent bien au cours de votre journée, vous pourrez créer des situations positives dans votre vie. Par contre, si vous ne vous sentez pas bien, eh bien, acceptez vos émotions. Vivez-les. Laissez-vous, eh bien, traverser par elles. Et puis, utilisez-les. Utilisez divers exercices comme les affirmations positives, n'est-ce pas? Ou encore la visualisation, ou encore l'exercice des questions, afin de trouver un soulagement, de remonter sur l'échelle des émotions et d'être aligné sur votre bien-être tout au long de la journée. En ce faisant, eh bien, vous vous mettez en mode réception et vous recevrez plus rapidement ce que vous désirez. Petit exercice des questions. Demandez-vous comment est-ce que je me sens maintenant? Alors, si la réponse est bien, ben c'est parfait. Par contre, si la réponse est « je me sens mal », alors demandez-vous « comment est-ce que je veux me sentir ?» Et la réponse est « j'ai envie de me sentir bien ». Puis, demandez-vous « à qui puis-je parler ?» Ou à quoi puis-je penser? Ou quelle action puis-je faire pour me sentir mieux? Et ensuite, parler. Parler avec quelqu'un qui va vous remonter le moral. Ou penser à quelqu'un ou quelque chose que vous aimez et qui vous fait du bien. Par exemple, un souvenir joyeux,
ou vous faites une activité qui va vous faire du bien, comme vous relaxer, vous balader, pourquoi pas lire, écouter de la musique, prendre, pourquoi pas un bain relaxant. Et après tout ça, comment vous vous sentez maintenant? Voilà, c'est un très beau message et je vais terminer par des affirmations positives. Quoi qu'il arrive, je me sens bien. Quoi qu'il arrive, je me sens bien. Et si je ressens une émotion négative, eh bien, je choisis de remonter sur l'échelle des émotions en recherchant un soulagement. Mes émotions sont le reflet de mes pensées. Je suis toujours à l'écoute de mes émotions. Mes émotions positives me permettent d'émettre, eh bien, de bonnes vibrations et d'attirer ce que je désire. Évidemment, je le dis souvent, hein, lorsque on est positif, on attire à soi le positif. Et lorsqu'on est dans une émotion négative, eh bien, on essaye de la transformer en positive, en positif. Oui, c'est pas facile, vous allez me dire, c'est plus facile de le dire que de le faire. Mais à force de répéter tout ça, eh bien, vous allez y arriver, être positif. Parce que c'est... Allez, vous avez une émotion négative. Vous êtes dans le négatif. Est-ce que, vu que vous êtes dans le négatif, est-ce que ça change quelque chose en positif? Non. Vous restez fermé dans cette émotion. Or, si vous avez des pensées positives, si vous la transformez, cette émotion négative en positive, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Évidemment, vous allez puiser dans l'énergie positive. Oui, c'est un travail à faire, mais vous pouvez le faire. Allez, je termine avec le message de la fée et aujourd'hui j'ai pigé la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Ah ben voilà, la fée du Capricorne, sois ambitieux et vois les choses en grand. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.